Chat, cat, ça sert à parler avec nos amis des nouvelles langues? Alors, la plurilingue, on l'aime bien parce que ça nous fait apprendre de nouveaux mots et c'est dans la cour. Et grâce à tous les élèves, ils ont tous écrit des mots dans des rondins de bois et puis ils les ont mis sur l'arbre. L'arbre plurilingue, c'est comme un arbre différent des autres parce qu'il y a des mots qui flottent autour de l'arbre et ça montre l'arbre que c'est important. L'arbre plurilingue donne de la couleur à l'école et c'est exotique. Ça m'a fait rêver d'une chose relaxante. Mais le mot que j'écris, c'est nature. Dans l'arbre, il met de la joie dans l'école. Il met de la couleur dans la récré. Et j'ai écrit camarades car j'aime bien les camarades qui nous aident. Violet. Je ressens de la joie parce qu'il y a beaucoup de couleurs et des noms. C'est beaucoup joli. Mon mot, c'était chien. Et j'aime l'arbre parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et en fait, on peut apprendre des nouveaux mots. Mon mot, c'était dauphin. Et moi, j'aime l'arbre parce que ça nous apprend des nouveaux mots et c'est très joli. Mon mot, c'était fleur. Et j'aime beaucoup quand le vent souffle et les rondins se balancent et ça donne de la joie. Mon mot, c'était gentillesse. J'aime l'arbre parce que j'aime beaucoup les mots et toutes les couleurs, j'aime le voir. Moi, mon mot, c'est bonjour. Et moi, ce que j'aime bien avec l'arbre plurilingue, c'est qu'on peut apprendre plusieurs mots qui sont écrits dessus en différentes langues. Et c'est ce que j'aime bien. Moi, mon mot, c'est bonjour. Et ce que j'aime bien avec l'arbre plurilingue, c'est qu'on peut apprendre plusieurs mots en différentes langues. Et j'aime bien quand il y a du vent, parce que tu vois tous les rondins de bois en train de flotter. Mon mot, c'était extraordinaire et j'ai écrit de l'autre côté extraordinary en anglais. Moi, j'aime bien l'art plurilingue car je trouve que c'est très joli et que tu peux apprendre plein de nouveaux mots et que, par exemple, s'il y a des CP qui viennent, ils peuvent aussi apprendre des nouveaux mots qu'ils n'ont pas appris. Moi, mon mot, c'est dauphin. Je ressens heureuse, contente quand je le lis. Ça me rappelle des animaux dans la mer. Je vois des animaux beaucoup et ça me ressent très contente. Mon mot, c'est cobra et en arabe c'est cobra et je ne croyais pas que le rondin allait être sur un arbre. Moi j'ai écrit manger parce que j'aime manger et j'ai écrit dans l'autre langue en anglais eat et en anglais aussi parce que c'est l'autre langue que je sais parler, c'est la langue que je préfère. J'écris voyager en français car j'aime voyager et je me sens bien et j'aime explorer les pays. J'ai écrit non parce que c'est je, par exemple j'aime trop dire le mot. Ça montre que je suis pas d'accord ou comme ça et j'ai écrit en arabe et ça se dit là. J'ai écrit grand frère et j'ai écrit aussi en japonais, ça veut dire Oni-chan, parce que j'aime le japonais, j'aime le Japon et j'aime les animations en japonais. Et quand je dis ça, ça me rappelle des animations japonais. Quand je vois l'arbre plurilingue, je sens que d'autres enfants ont l'occasion d'apprendre des nouveaux mots en autre langue ou en nouvelle langue. Quand je vois l'arbre plurilingue, je sens que ça sert à nous apprendre des nouveaux mots à des différentes langues. Quand je vois l'arbre plurilingue, j'apprends des nouveaux mots et je vois que c'est très beau l'arbre. Moi, quand je vois l'arbre plurilingue, je sais qu'il y a beaucoup de mots dans d'autres langues que je ne sais pas. Et c'est un arbre un peu magique car tu peux utiliser les mots qu'on a écrits sur l'arbre sur n'importe quelle chose. Et c'est vraiment beau et magique.
Moi, quand je vois l'arbre plurilingue, je sens bien et tu peux apprendre des nouveaux mots. Et c'est bien pour toi d'apprendre des nouveaux mots que tu ne savais pas du tout. C'est trop magique. Moi, j'ai écrit dans l'arbre plurilingue « famille » en anglais. C'est une chose incroyable et ça me donne de la joie. Moi, j'ai écrit le mot « dessiner » en arabe. C'est « ras ». Moi, je pense que ça donne de la joie au cœur et à l'école. Et quand on le voit, on est vraiment intéressé. C'est impressionnant. C'est joli. Moi, j'ai écrit allemand et en anglais, c'est « German ». Et moi, je pense que l'arbre plurilingue est très joli et quand les autres élèves le voient, ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas fait avec nous. Moi, j'ai écrit le mot « manger » et en anglais, c'est « eat ». Les CP peuvent apprendre les mots qu'on a écrits sur l'arbre plurilingue et l'arbre plurilingue est très beau. Moi, j'ai écrit « incredible », »,« incroyable ». Et moi, je ressens que tous les mots et noms flotte dans le ciel. Le mot que j'ai écrit, c'est « vacances ». Je ressens de la joie. Les non-anglophones et les non-arabophones peuvent apprendre des mots de l'arbre plurilingue.